Marco, aujourd'hui avec le parmesan, c'est une merveille. Risotto à la parmigiana. Donc, un risotto au parmesan. Tout à fait. Pour combien de personnes? Pour 4 personnes, Joël. On prend 1 litre de bouillon de volaille, on le porte à ébullition et on le maintient au chaud. Tout à fait. On prend une cocotte. Une cocotte. Ou un poêlon, comme là. On rajoute 1 décilitre d'huile d'olive à feu doux. On va incorporer les oignons hachés. Alors, la valeur d'un oignon moyen haché finement. Voilà. On peut mélanger. Tout à fait. On va faire revenir l'oignon sans coloration pendant 3 minutes. Alors là, c'est important, il faut bien regarder parce que le risotto, c'est simple, mais c'est plein de précision. Voilà, nos oignons commencent à être sués, là, ils commencent à devenir un peu translucides. Ils ont pris la couleur de l'huile d'olive. Tout à fait. On va pouvoir verser le riz en une seule fois. 300 g de riz non lavé, du riz à risotto. Rond. En une seule fois. En une seule fois. On va graisser le riz avec la spatule comme ceci. Au bout d'une minute, quand le riz est bien mélangé, bien imprégné de l'huile d'olive, on ajoute 1 décilitre de vin blanc sec. Là, on va le laisser évaporer pendant 3 minutes. Alors, il ne faut pas que le feu soit trop chaud. Pas trop chaud, pas trop bas non plus. Le plus important quand on cuit le risotto, c'est toujours bien le remuer. Sur toute la surface, il ne faut pas qu'il colle. Maintenant, le vin blanc, on peut dire que là, il a presque disparu, hein, il est évaporé. On va rajouter donc à la louche notre bouillon de volaille. De louche. Là, on va porter à frétinissement. Alors au bout de 2 minutes, on rajoute encore une autre louche. Dès que le bouillon est absorbé un peu par le riz, on en rajoute un peu. On en rajoute. Et surtout, il faut toujours remuer. Tout à fait. Mais pas violemment, délicatement. Tout à fait. Il faut le caresser, Joël. Il faut le caresser. C'est joli ça, non? Il faut caresser le riz. Donc, à peu près tous les 3-4 minutes, on rajoute une louche de bouillon. Voilà. Là, le risotto va être prêt. Tout à fait. Alors, on n'a pas mis tout le bouillon. Hein. Il en reste un petit peu. Il en reste à peu près 2 décilitres, 2 à 3 décilitres. On voit, parce qu'en fonction du riz, de la chaleur, on ne peut pas être précis, on ne peut pas dire qu'il faut mettre tant de bouillon. Mais on voit l'onctuosité, ce qui est important. Voilà. Il doit faire la vague, c'est-à-dire il ne doit pas être sec. Al dente. Croquant. Al dente. Al dente. Alors maintenant. Maintenant, on va baisser notre feu. On ne l'éteint pas. Non, on va juste simplement le baisser. Le mettre très doux. Voilà. Et à ce moment-là, on va incorporer le parmesan. Alors combien de parmesan? 75 grammes. On l'incorpore petit à petit? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est appétissant? Voilà, notre recette est pratiquement prête. On éteint le feu? On éteint le feu. Il faut quand même goûter. L'assaisonnement, parce que là on n'a pas mis de sel, on n'a pas mis de poivre. On va rajouter un petit peu de sel. Du poivre. Un petit peu de poivre, oui. Alors ça, on vérifie l'assaisonnement quand tout est fini. Tout à fait. On va lui rajouter un filet d'huile d'olive et on va l'égrainer avec la fourchette et il doit s'égrainer tout seul. Le risotto est prêt. Est prêt. Marco, attention, le risotto n'attend pas. Pronto. Arrivederci. Et bon appétit, bien sûr.